Je me suis encore servi de ce modèle pour refaire cette partie qui va aller ici, pour recevoir la toiture. C'est une idée que j'ai eue, autant en profiter vu qu'on a le modèle. Voilà. Et là, je vais mettre sur pause hein, parce que ça fait beaucoup de coupures. Mais remarque, c'est pas si mal. Enfin, je me comprends. Alors là, c'est une réussite, c'est impeccable. Le bout y a été parfaitement. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la colle à chaud ici, du pistolet là, ici, et juste ici. J'en ai pas mis tout le long parce que le problème, c'est que ça, il y a trop de longueur et ça refroidit. Après, je suis embêté. Et j'ai mis le reste. J'ai mis beaucoup de colle ici. Alors, j'ai mis de l'autre sens. Puis quand je l'ai retourné, la colle, elle a coulé dans les nervures pour rejoindre l'autre carton en bas. Donc de toute façon, il est bloqué par la colle à chaud de chaque côté et l'autre colle prendra son temps, mais elle fera son œuvre. Donc le collage est parfait, j'ai rattrapé le truc. Par contre, j'ai tracé le morceau là pour repérer, qui est là. Le repère, il est là. Parce que pour pas que je le mette comme ça, sinon j'ai tout faux, il faut que je le mette comme ça, comme l'autre là-bas. Vous voyez? Alors là, je vais le coller, mais le problème, c'est que ce qui m'embête. Parce que si je le colle, d'ailleurs que si je le colle comme ça, est-ce qu'il va pas être trop comme ça? Ou tiens, bah d'ailleurs, vous le voyez là? Non, vous voyez, faut que ça soit en face. Alors, faut pas que ça soit comme ça et ni comme ça. Je sais pas comment faire. Trouver une idée. Mettre un bout de plafond, un bout de carton de là à là. J'ai pensé. Alors, le carton, je l'avais préparé, mais je suis brûlé. C'est ça, mais ouais, voilà. Le problème, c'est qu'il est trop large. Là, il sera trop large. Là, il est bon parce que normalement, il y a une autre maison qui va s'appliquer ici, en décalage. Celui-là, là, le grand bâtiment. Ça, c'est l'hôtel. Alors, ou alors, je fais une encoche ici pour le. L'introduire dedans. Donc, pour faire l'encoche, il faudrait. Que je trace comme ça. Fascinant, encore comme ça, vous savez. Ouais. Ça serait une belle idée. Ça pourrait peut-être me servir. Alors, si je fais ça, il sera collé ici et ici, donc il sera un peu plus raide. Et après, je mettrai un autre ici, un choupou, d'ici à ici, pour le rejoindre, pour éviter qu'il plonge. J'aime pas ça. J'aime pas ça parce que ça, je sais par expérience, ça va péter. Alors, le mieux, ce que j'ai à faire, c'est plutôt coller un morceau en façade en renfort. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt comme ça. Voilà. Ça serait le mieux. Mais bon, peut-être plus large. Pour pas qu'il plonge comme ça, un peu plus large. Si je fais plus large, est-ce que je serais pas embêté? Est-ce que normalement je dois mettre de l'électronique là-dedans? Parce que là, il y a encore des chambres. Bah non, parce que. Ah ouais, mais il faut que je fasse. Je peux faire un bout de toiture, il m'a arrêté là, à la limite. Parce que là, ce morceau-là, il va s'appliquer le long d'un mur. Ça, c'est. Il faut que ça soit appliqué le long d'un mur. Voilà. Et j'ai voulu faire la chute du toit de l'autre sens. Pour éviter le truc un peu con, vous voyez, comme ça, pour que les gens aient une idée que le bâtiment il continue derrière. Et puis là, normalement, je dois peindre des nuages. Voilà, le ciel et les nuages.